Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir Winter Survival, un jeu de survie qui se passe en hiver. J'aime beaucoup The Long Dark, donc forcément j'ai des attentes aussi de ce jeu, on va voir ce que ça donne. Je sais déjà qu'il va avoir une composante assez importante qui se base sur la folie, sur notre esprit qu'il va falloir gérer, et des malus également qu'il faudra gérer, etc. Mais on va voir ça tout de suite, on va démarrer une petite partie. Et je vais commencer quand même un mode histoire pour voir ce que ça donne. Il y a aussi un mode sans fin. Heureusement pour les jeux de survie quand même, c'est toujours sympa de jouer un sans fin. Mais pour l'instant, voilà, pour la vidéo, on va jouer en mode explorateur, voilà, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On va faire aussi l'introduction et tout et tout. Et ça nous permettra d'apprendre un petit peu plus sur les bases du jeu. J'aime beaucoup les jeux qui se passent en hiver, hein. C'est là qu'il faut que j'y aille. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est? Yo, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Je crois que c'est des souvenirs, ça. I'll pick you up tomorrow. Danny, come and feel it. Honey, I'm waiting. Ok, c'est quoi? C'est la compagne enceinte, je pense. Did you feel it? Wonderful, isn't it? Danny? Do you have to go? Danny, what the hell? Get up and help us! Ok, donc c'est des souvenirs, c'est un peu de traumatisme là, tout ça. On va voir. Alors. Comment je fais pour les aider? D'accord. Il y a un loup. Ok, ça fait flipper, hein, forcément. Alors. Donc on est en expédition ou un truc comme ça, avec des potes, j'imagine. Je ne sais pas, des collègues, quelque chose. D'accord. Never get there alone. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. Ok. On va voir tout ça. Donc moi, en fait, je dois essayer d'échapper à la meute. C'est par là que je dois passer? Non, pas du tout. C'est par où que je dois aller? C'est par là, je suppose. Il faut se cacher des animaux, oui. Ah, il y a des loups, hein. Okay, go. Vite. Ouais, franchement, c'est plutôt bien fait en termes de visuel et d'ambiance, là. Le vent est... Waouh. Je me cache encore. Comment je vais faire pour les distraire? Que je ramasse de la neige. Ok. Oh punaise. C'est lui là, ok, le corbeau. Il faut que je lui envoie quelque chose. Donc, maintenez, puis lancez. Allez, on peut le faire. Voilà. Ils sont partis. Vite. On est gelé déjà? Ça va pas le faire, ça, hein. Oula. J'espère qu'ils vont pas me manger. Ouais, la question c'est pourquoi ils sont partis. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh! Il y a un ours. Oh my god. Je suis pas là. Et en plus, il a l'air affamé, blessé, tout ça, franchement.
Arrête de faire ta chochotte, Joel, là. Franchement, on n'a pas le choix, là. On a besoin de survivre. Oula. On court. Je suis pas là. Enfin, je suis là, mais je ne suis plus là. Alors, on a une torche, là. Et on l'entend plus. Ok, bon, on est arrivé déjà dans la grotte. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, inventaire. Je dois boire d'abord. Il y a des objets que l'on peut placer dans des emplacements rapides. D'ailleurs, la gourde d'eau, c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre là. La lampe de poche... Je crois que Duffy s'est ailé dans un truc rapide. Alors, la gourde. On va la prendre et on va boire. Great. It's empty. Elle est vide, mais maintenant il me faudrait de l'eau quelque part, non? Est-ce qu'il y en a dans le coin? Je vais récupérer tout ce que je peux, les pierres notamment. Dans la cantine, regardez l'eau. Ah oui, donc il y a de l'eau ici. Voilà. Ça l'a rempli, super. On a entendu des choses? Oh, j'ai eu peur pendant un instant. Ouf. Je pense que je suis encore en mode stealth. J'ai besoin de catcher mon breath. Ça va, il est vivant. Je ne peux pas voir rien dans ce temps. Ah, donc Joel, c'est l'autre. Ok, moi je croyais que nous, on était Joel. Ok, so then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it. Allez, donc on va faire un petit feu là. The rest should be just lying around. Alors, comment on le fait? Greffe pour crafter. Et on a besoin d'un feu. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On a des pierres et le reste, je crois que... Quick slot, je vais le mettre là. Hop. Je vais voir dans son sac à dos. Tout transférer. Hop, super. Et on va créer donc un feu. Donc ça, c'est fait. On va utiliser le feu. On a de la nourriture. Il va falloir qu'on la place. Il nous faut du carburant aussi, etc. etc. Ok. Donc, allumer. Dans les recettes, on a quoi? Donc ça. Ouais, ça fait du bien d'être au chaud, hein. Donc on a besoin d'être au chaud, c'est normal. J'ai mis une saucisse là. Oula! On s'est caché là? Oh le stress! Eh dis donc ma saucisse là! Franchement! Je savais qu'il était affamé l'ours. Oh là là! Je vais faire quoi moi sans saucisse maintenant? Bon, on va essayer de se débrouiller. Je sais pas ce qu'on va manger. Voilà, on a réussi. Oh là là. Bah c'est un ours, mon gars, hein. Ils mangent ce qu'ils peuvent, hein. Ils ont faim. Alors, je vais prendre le morceau de viande, je vais le manger. Mais on va se coucher, mais il me faut pas un sac de couchage. What about Mike? Don't worry. We'll find him too. Passer le sac de couchage au sol. OK. Alors le sac de couchage utilisé, on va le placer et on va se coucher tranquillou. Voilà. Ça commence de manière un petit peu flippante.
Just a short trip. It's gonna be fine. Give me a break. I'll be back soon, okay? Come on, guys, wake up. Shit, we're late. Bref, ça a l'air de s'être mal passé en fait, leur petit voyage là. Oula! Qu'est-ce qui se passe là? C'est un cauchemar, j'espère. Parce que là, on va pas sauter, hein, on est d'accord. Oh non, oh non! Ouais, ça doit être un cauchemar, c'est pas possible. On va se réveiller stressé, j'imagine. J'avais dit que dans ce jeu, il y a tout un truc autour de la folie. Toute une mécanique autour de l'esprit, etc. Attends, c'était pas un cauchemar ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Fausse aurore. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est aussi mal ? Shit, I lost my gear. Il est où tout mon équipement? Je peux même pas prendre quoi que ce soit là. Sont où les sources chaudes? Je ne vois que dalle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Pourquoi il y a ça là? Ça devient un jeu d'horreur maintenant, c'est pas possible. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a crash avec sa parachute. Oh! Bon, j'aurais bien aimé pouvoir récupérer ses bottes au moins. Franchement, là... C'est à quoi? Just go. Sont les sources chaudes? C'est là. Ah! Ah, je vais me faire bouffer! Ah non! Ah non! Just go, il a dit. Ah non, j'ai rien là. Ah, il va me tuer là. Mais lâchez-moi, monsieur. Enfin, monsieur le loup. Sont où les sources chaudes là, franchement? J'ai pas besoin de ça là. Sont là. Ah oui, je me suis fait attaquer entre temps. C'est dégueulasse. Ah bah super, non mais vas-y. Donc là, il faut qu'on court. On a des loups. Et pas juste un ou deux, on a une meute entière là, c'est vraiment dingos. Oups. Je suis tombé. Elle est où la cabane? Vous la voyez vous? Je la vois pas moi la cabane. Elle doit être en haut. Oh les loups là qui me regardent. Qui me regardent de haut. Tout va bien là, tranquille. Donc en fait c'était prévu que je tombe, c'est ça? Donc là de toute façon je ne peux pas courir. Ce n'est pas possible. Les loups vont pas me laisser tranquille. C'est assez évident. J'ai récupéré 2-3 trucs sur le chemin. Mais c'est quoi ces machins? What the fuck is wrong with me? Donc en fait, on a des hallucinations, je pense. Bon allez, on va voir ce qu'il y a dans la hutte. C'est un peu dur d'inspecter alors qu'il fait noir comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je peux pas pour l'instant allumer le feu. Il y a une attelle ici, on va la prendre. Je vais d'ailleurs l'utiliser tout de suite. Elle est où? C'est celle-là. Voilà, tout de suite c'est mieux. Mais il fait froid maintenant, donc comment on fait pour allumer le feu? Tiens, il y a un morceau de bûche qu'on va utiliser.
On l'allume et c'est parti. Joel, I hope you found Mike. Voilà, 4 heures ça va durer le feu. Donc déjà là on voit un petit peu autour. Hein. Donc, je vais aller regarder ce qu'il y a. Prendre tout ce que je peux. Je sais pas si ça sert à quelque chose ces trucs là, mais je vais ramasser les bouteilles, ça peut servir. Si on peut les remplir avec de l'eau. Ça a été déjà ouvert. Mais tout ça c'est cassé. Est-ce que ça peut vraiment servir ou pas du tout? Je pense que je n'ai aucune idée. Oh, un coffre. J'avais déjà tout récupéré, je crois. Alors, bon. Est-ce que je peux rajouter un peu plus de combustible? Je vais tout mettre. On va dormir donc 5 heures. C'est toujours ça de prix. Voilà. C'est vrai que c'est pas génial, génial. Est-ce que je peux baisser un peu l'heure de sommeil ou pas du tout? Je crois que c'est... Ça m'oblige quand même de prendre 7 heures de sommeil, hein. Ou 5. Je sais pas combien j'ai dormi du coup. Donc ça nourrit le traumatisme, c'est ce que je vous disais. En fait, on a des debuffs. En effet, on a des malus à chaque fois qu'on se repose. Donc plus on avance dans le jeu, plus on a des malus. Il va falloir les gérer. Donc on accumule des traumas. Donc il faut qu'on fasse quand même attention à la possibilité de la folie, et selon la zone dans laquelle la folie peut nous atteindre, gauche ou droite du cerveau, bah ça va baisser certaines aptitudes. Ok. Et donc il risque d'y avoir des psychoses, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour éviter? Bon, déjà ça on voit, on a des psychoses. Est-ce que je peux prendre quoi comme malus là? Des animaux non agressifs comme des cerfs ou des lapins peuvent apparaître. Une légère limitation de la vision peut suivre l'activation du mode instinct. Des mouvements rapides de la tête peuvent accélérer la récupération. On va prendre ça. Ça a pas l'air d'être un malus trop hard. Bon allez, on va essayer de retrouver notre équipement. On va voir. Déjà, je vois qu'on a très soif. Ce serait bien de boire un peu d'eau. Il n'y a pas une rivière dans le coin, je crois, si. Là. Je vais boire un peu, si possible. Ah, je peux pas tout geler. Il n'y a pas une zone où je pourrais le faire. Et en plus on glisse, hein, franchement. Personnellement je trouve ça chouette, mais... Je vais me cacher quand même parce que je sais pas ce qu'il y a. J'entends de l'eau. Là. Ah, il y a des cerfs. Oh, c'est plutôt cool, hein. On va boire de l'eau, là. Encore. Là, je suis à... Voilà, il fait plus froid. Il fait plus froid. Réparation en cours, construire un métier à tisser. Bah, c'est pas gagné, ça. Déjà, il faut que je sèche mes vêtements et tout, mais... D'abord, il faut que je récupère aussi mes affaires, mais je veux voir ce que c'est que ça là. Pièce de l'arbre, il y a des toilettes hein, au fond du jardin, super. Qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Il fait trop froid là, on est en train de se les geler. J'entends des trucs. Oh, il y a des conserves. C'est trop bien ça. Parce que je peux faire avec une canette percée, mais je la prends pour l'instant. Bon, on va partir d'ici. Je peux ne pas me casser les jambes cette fois-ci. Ça peut être une idée. Bon, je sais pas comment je vais avancer. Donc c'est de l'autre côté que je dois aller. Bah, il n'y avait pas de l'eau ici, non? Bah, tout était gelé, hein. Construire un métier à tisser. Ah bah moi je veux bien, mais j'ai aucune idée comment on fabrique ça, hein. Un métier à tisser. Est-ce qu'on peut le voir? Métier à tisser, il me faut 4 cordes et 4 branches. En principe, c'est faisable, hein. Pour les cordes, il me faut de l'herbotte. C'est faisable, il faut juste que je trouve assez de trucs pour ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas entrer? Non, je peux pas. Bon. Est-ce que je dois monter, moi? Ou pas du tout? Ah. It doesn't look good. I have to check it out. Alors c'est où? On a des traces de d'ours. C'était où déjà? C'est là, hein. Ouais, mais on voit pas bien, c'est à cause du malus que j'ai pris. C'est ça, hein, j'aurais pas dû prendre le malus finalement. Là, il y a quelque chose. J'ai besoin de ramasser la haute herbe. On fera des cordes. Oh, il y a du sang. Oh là là. Oh là là. J'espère aussi que ça va. Je vais aller prendre le champignon par contre. Il y a des loups là. Je crois que c'est des loups. Non. Mais je suis parano, hein. Parano, mais non, j'ai peur. Ok. Donc là, c'est toujours les traces. Ici, il y a quelque chose, là. On va récupérer. Sont où les autres traces que j'ai vues? Je les ai perdues? Non, c'est par là donc. Ça va par là. Je suis pas sûre que c'est là que je devais aller en vrai. Hein. À mon avis, c'est pas par là, mais comme je suis déjà arrivée, tant qu'à faire, je vais tout prendre. Ce serait dommage de louper les trucs, quoi. Ah! Il y aurait eu quelqu'un ici. Je vais quand même prendre l'herbe. Là, il y a des traces encore. Alors. Mais par contre, je suis toujours pas allée chercher mes affaires. C'est pas bien.
où vont ces traces? Ça se trouve, c'est les miennes. Parce que c'est vrai qu'on est, on est devenu un peu fou. Oula. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui. Il y a quelqu'un là-bas, mais... Pourquoi j'ai peur que ça soit pas... Pas glauque tout ça. Je pourrais pas passer de toute façon. Ouais, voilà. C'était évident. C'était évident que j'allais me... Me casser la tête. Le pont était déjà à moitié détruit. Tu peux le faire, mon gars. Oui ou non? Mais il y a personne en fait. Alors maintenant, on va passer par où? Ah, il y a des torches. On va entrer dans la cave. Hein. Et il va me falloir des... il va falloir que j'allume des torches. Hein. On va les mettre en un truc rapide. Voilà. Un emplacement rapide, je voulais dire. Hop. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de loup ou des ours par ici. Franchement, ça n'en ferait pas plaisir du tout. Porte en bois, elle est fragile. Mais il me faut un outil et là j'ai rien du tout. Ah! J'ai une hache, enfin. Enfin, mais je suis encombrée. Ça, j'aime pas, par contre. Je vais le mettre là. Hop. Et on va prendre la hache. Mais par contre, c'est bien gentil, mais je peux pas tenir les deux. Elle est fragile. Je vais utiliser la hache, ouais. Mais on voit rien du tout. Et ça, j'aime pas. Bon. Je l'ai détruite et ça m'a fait un raccourci. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc ici. Comment je fais pour ouvrir le coffre? Oh là là, il me faut un nouveau là, une nouvelle torche. Je pense qu'on va sortir par là. Ça se trouve, il y avait moyen d'ouvrir le coffre, mais bon. Pour le pas des amis. Attends, ça, on va arrêter. Par contre, la torche, parce qu'on pourrait en avoir besoin plus tard. Ça serait bien que je puisse me nourrir aussi, hein, vrai. On est surchargé. Attends, mais je suis pas déjà passée par là à un moment donné. Je suis pas déjà entrée là. J'ai l'impression d'être déjà venue ici, quoi, c'est fou. Et d'avoir utilisé le coffre et tout et tout. Bon, il y a des sources chaudes là. On peut se laver. On doit se déshabiller, mais on met où les trucs? Comment je fais pour me déshabiller, par exemple? Je vais me déshabiller entièrement. Là, c'est quand même un caleçon, hein, c'est bien. Ah, ça fait du bien, ça, non? Donc ça, c'est fait. On va boire aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est des sources chaudes aussi. Donc ça nous réchauffe en plus. Je vais remettre les vêtements. Voilà. Ok.
faut absolument les sécher, hein. Cristaux de sel, ça doit me servir, je suppose, pour faire à manger. Du coup, maintenant, on est mouillé. Alors, on en est où ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon sac à dos. On va essayer de sauter, hein. On a réussi. C'est chaud quand même. Je vais essayer de ne pas tomber. C'est quoi ce bruit, oui ? Il est où le walkie-talkie ? Il a l'air d'être tombé, surtout. Ah oui, mais je sais pas si j'ai une corde, là. Si, j'en ai une. Il m'en faut 9. 9 cordes, j'en avais que 4. On va fabriquer de la corde, là. On n'a pas le choix. Hop. Fabriquer corde. Voilà. C'est bien. Adaptation, ça donne quoi ça? Ça donne des nouvelles compétences. Ça, c'est bien ça. Ça fait plaisir. Ok. Good. Alors. On y est presque. J'aurais peut-être quand même dû sécher d'abord mes vêtements. Ah non ! On voit rien. Donc. Bah attends, me dis pas que je n'ai plus de torches là. Si. Je sais pas pourquoi elles étaient plus... Voilà. Là on est bon. Il est là. Mike, is that you? On a réussi. Tell me where you are. Donc on va entrer dans la grotte. Mike, where are you? Oula. Ça donne pas envie ça. But what if... Ça se trouve ils sont tous morts, hein. Je sais qu'il faut pas se dire ça, tout ça, mais... Ça commence pas bien, on va dire. Ça commence pas bien. Hop. Ah, un petit coffre. Si on pouvait tout prendre. Je me demande si je peux quand même manger quelque chose dans les trucs, là. Par exemple, ça. Est-ce qu'il y a moyen? Je suis pas sûre, mais en même temps, j'ai pas hyper faim là. Déjà, encore une fois, j'ai plus de torches. Il va falloir les allumer. J'en ai grave besoin des torches. Donc ça, j'ai tout pris. On va monter. J'espère que je vais vers le bon endroit. On va utiliser ça. C'est fou parce que là, c'est logique que quand je monte à la corde, je ne vois rien. Mais c'est pas évident. Oula, il commence à faire nuit là. Ou c'est moi? On va aller où? Je ne vois rien.
Je ne vois rien. Où est-ce que je dois aller? Entrer dans la cave? Bah, j'étais dans la cave en même temps. On me dit pas que je dois ressortir, là. C'est bon. Laisse tomber. Ah, il faut équiper le walkie-talkie. Je suis bête. Which button was it? Ok. Je l'ai équipé, mais maintenant on fait comment? Il y a plusieurs fréquences. Non, c'est pas ça que je dois faire. C'est pas ça. Le walkie-talkie, comment on fait pour nous occuper? Pas les bonus malus. Ça, c'est les quêtes. On a plusieurs... ouais, regardez autour avec le taki-waki allumé. Donc, en fait, ça nous permet de localiser le signal, etc. Ok, je vois un peu. Mais du coup, j'aurais dû, en effet... aller dans la cave, dans la grotte. Bon, tant pis, hein. Oula! Il y a des éboulements. Franchement, on n'est pas du tout safe, hein. Alors là, je peux pas. Mais elle est fragile, donc je vais peut-être pouvoir la casser. Vas-y, détruis-la. Voilà. Et ça me donne pas du coup des morceaux de bois à récupérer. Je peux pas, hein. Je peux pas démonter plus. Et t'es où la cabane? Parce que là, franchement, ça nous aiderait bien de dormir un peu. C'est joli par contre. Hein. Super joli. Alors il est où mon truc? C'est par là, ouais. J'ai aucune chance de m'y retrouver là. En vrai. Est-ce que j'ai une map? J'ai pas de map, j'ai rien du tout en fait. J'ai rien du tout. Mes quêtes principales et quêtes secondaires. Moi, je voudrais faire le truc de réparation. Quartier, entrée dans la... Ouais. C'est pas évident tout ça, hein. Donc ouais, là, en vrai, je préférerais... Oh, super. Il y a un loup. Je l'ai tapé. Il va me tuer là, on est d'accord. Ouais. Ouais. Là, c'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas bon du tout là. C'est pas bon du tout. On va courir. Je suis pas là. En espérant qu'il me rattrape pas. C'est pas gagné. Pas trop le choix. Je sais plus du tout où est la cabane. Je suis perdue. Un autre loup. Mais il y en a combien là? Oh, laisse tomber. J'abandonne. Non mais... j'aime beaucoup les jeux de survie. Hein. C'est pas la question mais... j'aime pas être perdue. Ouais, ouais, et il m'a eu. Ouais! Par contre, ils sont jolis, les loups, j'ai envie de dire. Hein. On va s'arrêter là, néanmoins, pour la découverte de Winter Survival. J'étais en mode aventure. J'ai pas bien avancé, mais ça m'a permis de voir un petit peu les premiers pas dans le jeu. Ça m'intrigue assez.
J'ai eu quelques petits problèmes de mon côté sur l'optimisation parce que, en effet, j'ai une machine qui est un peu ancienne. J'espère que ça sera bien optimisé pour les gens qui ont des configurations plutôt récentes, etc. De toute façon, le jeu, il a l'air pas mal quand on aime les jeux de survie, notamment qui se passent en hiver. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout depuis V Long Dark. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous. Des bisous en pixels. Ciao, ciao.